déconner sur cette vidéo, j'ai fait un paquet de bruit. Les gens m'attendent au tournant. Oh. Et salut équipe, c'est Samu pour Afrech Esports News. J'espère que vous avez la pêche. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo dans laquelle je dis que je préfère la NFL à la NBA. Maintenant on a dépassé les 6000 vues. C'est le moment de vous expliquer pourquoi la NBA a un futur plus brillant que la NFL. J'attrape mon script et on est parti. Il y a eu beaucoup de réactions sur l'ancienne vidéo. Donc avant de démarrer, je veux clarifier un truc. Beaucoup de gens m'ont sorti l'exemple de Greg Popovich pour me dire que j'ai été un peu dur sur le coaching de NBA. J'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient « Samy, les performances de Greg Popovich en tant que coach, c'est quelque chose de vraiment important. » Et encore une fois, je ne dis pas que les coachs en NBA sont inutiles, mais dans un sport où il y a 53 joueurs, 11 sur le terrain qui ont un job différent, et bah le chef d'orchestre de ce jeu, il a un petit peu plus de valeur. Mais ça veut pas dire que vos coachs en NBA font pas du bon taf. On passe à autre chose. Aujourd'hui, on va parler du futur de ces deux ligues, et surtout pourquoi la NBA peut commencer à marcher sur les pieds de la NFL. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. 1, on va parler du sport en soi. 2, on va parler de comment la NBA prend beaucoup plus soin de ses joueurs. Et en 3, on va parler de l'internationalisation. J'espère que vous êtes bien assis, j'ai beaucoup de pression pour cette vidéo, et on est parti. Pendant les années 20 et 30, c'était le baseball qui était le sport favori aux États-Unis. À partir des années 40-50, la NFL a vraiment pris le dessus et jusque-là, elle a pas vraiment lâché le leadership. Mais le format du basketball, ça me mène à penser que, dans le futur, le basket pourrait être plus populaire. Déjà simplement parce que le sport est plus simple à pratiquer. Il faut un ballon rond pour s'entraîner et il y a des joueurs qui s'entraînaient même pas avec un panier. On entendait des histoires comme Kyrie Irving qui avait simplement un arceau chez lui et une planche à moitié cassée, ce qui lui a permis d'encore mieux travailler son shoot. C'est un sport qui est très simple à pratiquer tout seul et les terrains sont plus accessibles en France et aux États-Unis. En continuant dans la même direction, si tu veux jouer à un match, un vrai 5 contre 5, tu peux te pointer au terrain du coin et trouver ta place. Au football américain, c'est différent, il faut les équipements, les terrains sont moins disponibles, il faut s'entraîner un minimum avec son équipe et ses potes pour connaître les règles, pour dessiner des jeux, pour apprendre à plaquer sans se briser la nuque. C'est toute une organisation. Ensuite, le sport en soi est plus agréable à regarder. Voilà, je préfère le football américain, mais un spectateur doit prendre en moyenne 2h30 de sa journée s'il veut regarder un match de foot américain en direct. Et dans ces 2h30, il y a seulement 11 minutes de jeu vivant. Donc sur les 2h30, t'as de la publicité, des pauses, des temps morts, et au milieu tout ça, t'as 11 minutes de jeu. C'est très mince comparé à la NBA qui est en 48 minutes et l'action ne s'arrête jamais. Enfin, presque jamais, vous me comprenez. En NFL, il y a un paquet de pubs, il y a des pauses entre chaque jeu. Si un joueur attrape la balle et que la balle bouge un petit peu, on a besoin de 5 minutes avec les arbitres pour s'assurer si la balle est attrapée ou non. Ma troisième raison qui me pousse à dire que le basketball est plus intéressant que le football américain, c'est que c'est absolument pas impacté par la météo. Au football américain, t'as un paquet de matchs sous la pluie, sous la neige, il y a du vent. Et ce que tu ne veux pas, c'est que les meilleurs athlètes de toute la planète ne jouent pas au meilleur de leur niveau parce que Mère Nature en a décidé autrement. En NBA, chaque soir, toutes les arènes sont optimisées pour voir LeBron James, Stephen Curry au meilleur de leur forme. Maintenant, sortons du sport en soi et parlons de comment la NBA prend plus soin de ses joueurs que la NFL. Numéro 1, c'est le point le plus important de cette vidéo et pour le futur du football américain, la santé. Le corps des athlètes de NFL prennent des chocs qui sont pas censés être pris par un corps humain. Beaucoup d'entre eux boiteront toute leur vie, d'autres ont des doigts extrêmement tordus toute leur vie à force de bloquer, attraper, plaquer, mais c'est pas ça le plus important. La plus grosse menace pour l'extinction du football américain dans le futur, c'est les commotions cérébrales. J'ai fait une vidéo entière sur les commotions cérébrales, je vous la mets juste là. Si vous l'avez pas vu, je suis assez fier de cette vidéo, j'explique beaucoup de choses. Pour faire simple, si vous avez la flemme, un joueur qui touche un terrain de football américain, il aura des lésions au cerveau toute sa vie. Les anciens joueurs de NFL qui ne souffrent pas de lésions au cerveau aujourd'hui savent que demain, peut-être, ils ne se rappelleront pas de leur propre nom. L'ancien quarterback Brett Favre en a parlé dans une interview, il a dit que chaque jour, il peut se réveiller et oublier quelque chose. Et c'est pas top pour la publicité du sport. Et ça pousse les jeunes à aller beaucoup plus vers le basket. Aujourd'hui, les jeunes américains pratiquent beaucoup plus le basketball que tous les autres sports. Mais en nombre de blessures chez les jeunes, le football américain est toujours le leader. Donc il y a moins de joueurs en foot américain et ils se blessent plus. Ce qui diminue le talent possible dans la ligue pro dans le futur, il y a plus d'athlètes qui se dirigent vers le basketball, donc le produit que la NBA va montrer chaque année sera de mieux en mieux. Ensuite, à part la santé, la NBA prend beaucoup plus soin de ses joueurs au niveau de la popularité. Sur les réseaux sociaux, les joueurs de NBA ont bien plus de notoriété. Sur les contrats publicitaires, les chiffres sont bien plus grands que les chiffres des joueurs NFL. Parce que c'est stupide, hein, mais mettre un casque sur la tête, c'est pas génial pour la visibilité d'un joueur. En NBA, bien sûr qu'on connaît le visage de LeBron James, Stephen Curry. Mais par exemple, si je vous montre le visage de lui, c'est absolument pas un des 20 meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui. Mais la NBA prend bien soin de leur popularité, parce que vous le reconnaissez derrière votre écran. Si on fait la même comparaison en NFL, on connaît la tête d'Odell Beckham, on connaît la tête de Tom Brady. Mais si je vous montre lui, c'est un des 3 meilleurs joueurs à sa position. Mais pas sûr que vous l'ayez reconnu aussi vite que vous avez reconnu le joueur de NBA. Et cette reconnaissance, ça a de la valeur sur leur contrat publicitaire.
Et en plus de ça, les joueurs NBA ont plus de pouvoir sur les médias, ils peuvent plus dire ce qu'ils veulent, que ça soit politique, professionnel ou personnel, leur voix est plus écoutée qu'en NFL. Et enfin, la NBA prend plus soin de ses joueurs avec les salaires. Cette image est assez connue dernièrement. Stephen Curry, Blake Griffin et Kyle Lowry, à eux trois, ils font presque autant d'argent que eux. Blake Bortles, Carson Wentz, Sam Bradford, Drew Brees, Andy Dalton, Jared Goff, Marcus Mariota, Kirk Cousins, Matthew Stafford, Ryan Tannehill, James Winston, Alex Smith, beaucoup, beaucoup de stars. Ça, c'est facilement explicable. Il y a beaucoup moins de place dans une équipe NBA comparé à une équipe NFL. Il y a un nouveau contrat de la télé qui vient de rentrer, donc l'argent vient d'exploser en NBA. Les joueurs de NFL sont un petit peu jaloux parce qu'il y a des joueurs de NBA qui ne produisent pas grand-chose et qui touchent les mêmes salaires que des grandes stars en NFL. Ça, plus la popularité, plus savoir que tu sors du sport sans avoir plein de commotions cérébrales, ça montre que la NBA prend un peu plus soin de ses joueurs. Maintenant, parlons d'une partie qui me plaît beaucoup, l'internationalisation du basketball. Je vais pas parler de Pro A, je vais pas parler de Liga ACB d'Espagne, ni la Ligue de Lituanie avec la Melo Ball et l'Angelo. Mais pour votre culture, si vous voulez paraître intelligent autour de vos potes, le premier match international de basketball s'est joué en France, en 1893. Le premier joueur de NBA né en Europe, c'est notre légende Hervé Dubuisson. Maintenant, parlons de comment la NBA domine le marché international pendant que la NFL se tourne les pouces et galère un petit peu. Le premier grand joueur ne venant pas des États-Unis, c'est Hakeem Olajuwon. Il venait du Nigeria pendant les années 80. Et c'est durant ces années que David Stern a pris le contrôle de la NBA. Et il avait un but clair, rendre la NBA populaire en dehors des États-Unis. La rivalité Bird et Magic arrivait au parfait moment. C'était la première rivalité qui internationalement était suivie au jour le jour. Les chaînes de télé internationales commencent à retransmettre des matchs. Et les plus anciens dans les commentaires, vous pouvez me raconter comment vous regardiez les matchs. Ça m'impressionne toujours. Et après cette rivalité, Michael Jordan arrive au parfait moment. La marque Nike est mondialement connue. Et la popularité des chaussures de Michael Jordan et ses performances poussent le basketball au milieu de la scène internationale. Le point culminant de tout ça, c'est les JO de 92 à Barcelone. La Dream Team des USA arrive avec plein de grandes stars. Et c'est là où la NBA se rend compte de la popularité qu'ils ont en dehors du territoire. Les joueurs sont accueillis comme des méga stars dans un pays qu'ils ne connaissent même pas. Les USA battent toutes les équipes avec une moyenne de plus de 40 points. Et c'est à ce moment-là que l'Europe tombe amoureux de la NBA. Pendant ce temps-là, la NFL se moque des marchés extérieurs. Ils ont fait des matchs de pré-saison au Mexique. Ensuite, ils ont arrêté. Et ils ont lancé une NFL Europe. Et ils ont arrêté. Et voilà. De l'autre côté, la NBA s'engage énormément à l'international. En 1978, le premier match international s'est joué entre une équipe NBA et une équipe d'un autre pays. En 1990, la NBA a joué le premier match de saison régulière en dehors du territoire américain. Ils ont joué à Tokyo, au Japon. Entre 1984 et aujourd'hui, la NBA a joué plus de 100 matchs de saison régulière et de pré-saison en dehors du territoire américain. Et de l'autre côté, la NFL en 2007, ils se réveillent, ils commencent à faire une série de matchs à l'international à Londres. Ils envoyaient à Londres des équipes qui étaient vraiment pas jolies jolies à ce moment-là. Les terrains étaient remplis, mais j'ai pas encore vu une rencontre en Europe où c'était vraiment intéressant avec des grosses équipes. L'an prochain, ils envoient les Eagles contre les Jaguars, ça va être la grosse affiche, là ça pourrait être intéressant. Et l'an dernier, en fin de saison, ils ont envoyé au Mexique les Patriots contre les Raiders. Ça aurait pu être une grosse affiche, mais les Raiders se sont un peu perdus en route. Et au niveau des joueurs internationaux, bah la NFL, elle a absolument rien. Il y a quelques joueurs qui viennent d'autres pays, mais c'est vraiment négligeable. En NBA, chaque équipe peut supporter son joueur local. La Grèce peut supporter Giannis, le Cameroun peut supporter Joel Embiid, la Lettonie à Porzingis, la France à Evan Fournier, l'Australie à Ben Simmons, la Chine avait Yao Ming, l'Allemagne a toujours Dirk, le Canada à Wiggins et avant ils avaient Steve Nash. Et ça, ça a beaucoup de pouvoir sur les marchés internationaux. Parce que t'as de plus en plus de gamins qui vont regarder des joueurs qui sont en NBA mais qui viennent de leur pays. Et ça crée un réel cycle de production de joueurs internationaux. Et c'est là où la NBA peut vraiment s'assurer une popularité au long terme à l'étranger. Pendant qu'en face, la NFL, elle peine toujours à attirer du monde en dehors des États-Unis. En tout cas l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très très optimiste pour le futur de la NBA au niveau international. La violence de la NFL et le format du sport risquent d'être un vrai problème pour le football américain dans le futur. Et la popularité des superstars en NBA est bien plus importante que n'importe quelle star en NFL. Maintenant j'ai envie de vous demander, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié un facteur qui montre que la NBA a plus de futur que la NFL? Et les fans de foot américain, dites-moi, qu'est-ce que la NFL pourrait prendre de la NBA pour s'inspirer, pour un petit peu relever la barre? La NFL fait encore beaucoup plus de revenus que la NBA, mais dites-moi, est-ce qu'un jour ils vont vraiment s'occuper du marché international? J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si c'est le cas et de vous abonner pour jamais manquer une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus d'NFL, plus d'NBA. Et ce sera tout pour moi, allez, ciao!